Salut à tous les amis, je suis Baltazar Fantasimo, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue dans la dynastie Fantasimo que vous allez suivre tous les jours sur Fantabob Games. Il s'agit d'une simulation de dictature, un rôle rêvé pour moi. Et maintenant je vais choisir la touche finale, le petit chapeau. Le petit chapeau blanc qui viendra, comme Baltazar Picsou, avec ma petite moustache de Père Noël, ça va être sublime. Je crois que je vais faire un parfait dictateur. Et tout de suite, je vous présente mon île, mon paradis. Voilà, c'est parti mon kiki, je vais commencer sur Caillot de Fortuna. Et je vous jure, j'ai fait le rêve d'un compte en banque bien rempli en Suisse, de petits enfants qui jouaient dans les bidonvilles en train de boire de l'eau sale. Ah, les Caraïbes, une terre luxuriante et indomptée. Ma nouvelle maison. Splendide et pleine de promesses. Un nouveau départ, loin des tracasseries de l'ancien monde. Une chance de repartir de zéro et de faire les choses à ma façon. À ma façon. Il y en a assez du temps maussade et de la pensée rigide du vieux continent. Il me faut du neuf. J'ai été nommé gouverneur de cette île. Personne d'autre n'était intéressé par les postes de toute manière. Grâce à ma façon unique de gouverner, cette colonie deviendra l'île la plus prospère des Caraïbes. Ça ne peut pas être bien difficile. Il suffit des planches, des clous et d'un conseiller sur lequel passer ses nerfs. Une nouvelle ère. Alors, regardons un petit peu le... Bienvenue aux Caraïbes, gouverneur. Permettez-moi de me présenter. Je suis Lord Oxworth, l'émissaire de Sa Majesté dans la région. Déjà, tu fais chier parce que Sa Majesté, c'est moi. Alors, Sa Majesté vous a gracieusement nommé la tête de cette colonie pour que vous le dirigiez en son nom pendant la durée de votre mandat. Accomplissez les quêtes de Sa Majesté, je suis certain qu'elle prolongera votre mandat. Moi, j'ai comme une envie d'indépendance, voyez-vous. Tiens, c'est moi qui suis sublime comme ça. Oh, quel panache. Respectez mon autorité. J'aurais pas dit mieux. Alors, il y a des petites quêtes, tout va bien. Donc nous sommes face à un city builder, donc construction de ville. Relativement cool, hein, même très très cool. Même si il y a des exigences économiques et politiques assez poussées et assez rigolotes. C'est le cinquième volet, il n'y a pas eu beaucoup de différence hein, depuis le 3. Non pas le salon au 3, hein, depuis le Tropico 3. Que j'ai bien plié. On va s'amuser comme des petits fous et j'apprécie l'architecture déjà de la population qui a un goût tout à fait exquis. Un goût pepski. Voilà. Et donc je prends les premières quêtes, c'était pour prendre un petit peu connaissance de la chose. Baltazar Fantasimo pour vous servir. Et je vais aller très doucement sur l'accent cubain parce que le mien fait un peu italien, un peu rien du tout. Je vais me contenter d'être aussi sadique que possible, aussi radin que possible, aussi misérable que possible pour faire de cette île mon paradis. Voilà, avec vous tous les jours. C'est parti mon kiki, première quête. Qu'est-ce que Sa Majesté a besoin d'argent pour bâtir un nouveau palais sous-marin. Le roi veut que vous fassiez pousser de l'argent. Du moins, que vous produisiez une denrée qui rapporte beaucoup d'argent. Alors, avec ça, on est d'accord. Avec ça, on est d'accord. Donc, il faut que je fasse du sucre ici. Salutations, vieille branche. J'ai une offre spéciale pour vous aujourd'hui. En tant que représentant de la couronne, je peux vous proposer d'acquérir votre propre licence commerciale. Alors 4000 avec des offres commerciales, il peut aller se faire s'asseoir dessus. 2000 déjà, ça me fait mal. Allez, on fait pas des économies en jetant l'argent par les fenêtres. Moins 500 et j'envoie chier la couronne. Allez, sublime. Donc je vais commencer déjà par voir un petit peu les plantations de sucre. Plantations de sucre. Où je peux planter sans être trop embêté. Je vais essayer de m'éloigner un petit peu parce que je voudrais pas que les paysans viennent salir mon environnement de roi. Là malheureusement il y a le brouillard de guerre, un genre de brouillard de guerre. Je vais en mettre une ici et gratter un peu sur le brouillard. Clic. Je vais même faire une petite route pour faire sa propre vente, tu vois. Clic, 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 clic. C'est pas une petite route. Hop. Oh, c'est propre. J'aime quand c'est propre. D'habitude, je suis extrêmement bordélique, mais je vais m'appliquer pour vous.
Alors, c'est parti et j'accélère le temps. Fabrique-moi du sucre, s'il te plaît. Priorité haute. Ok, ça c'est bon. Alors, au niveau des docks, j'ai la possibilité d'exporter de la marchandise et je vais regarder tout de suite ce qui pourrait bien se vendre à l'étranger. Déjà, j'ai un champ de maïs qui va me servir à nourrir la populace. M'est avis que direct. Non, consommation locale. Ok. Non, j'aimerais Le Tsar lâcher. royal, Majesté, m'a demandé de vous présenter cette citation qui vous félicite pour vos exploits au nom de l'Empire. Alors, j'ai la possibilité d'une récompense, soit une aide financière au trésor, soit un cadeau personnel. Donc, sur le compte en Suisse, c'est juste un bonus, hein. Après, le compte en Suisse, c'est pour se la péter. Prolongation du mandat, ça peut être intéressant. Mais pour le moment, je vais me faire confiance et je vais prendre les sous. Voilà. Les progrès technologiques sont la voie vers l'autonomie, gouverneur. Il nous faut plus de scientifiques pour réfléchir à des choses importantes et faire de nouvelles découvertes. Ok. Alors, enchantée, Vita, tu es charmante. Cependant, moi, il me faut de la thune. C'est là où je vais dépenser mes sous d'abord. Donc, allons voir dans le commerce, on a dit. Le tabac, ça se vendrait très bien, dis donc. Tabac, banane. Allez, j'ajoute dans mes routes commerciales le tabac. Et je vais en abuser comme c'est pas permis. Alors, histoire d'avoir une relative autonomie assez rapidement. Tabac, tabac, tabac. Ah. Ça m'arrange pas trop, mais bon. Allez. Une ici. J'en veux plus que ça, moi. Ok, le chat veut participer. Hop. Non, c'est plus par là. Hop, et une autre. Est-ce que je fais encore des sous? Allez. Encore des sous, encore des sous. Ça peut passer, mais pas ici. Ça peut passer ici. C'est un peu trop près de la ville, hein. Cela dit, je pourrais convertir le sucre dès qu'on aura fini avec. Allez. Ouais, je me retrouve avec 4 tabacs. C'est énorme, hein. Moi j'investis, hein. Moi je sais pas, je suis un ouf. À partir du moment où j'ai l'autonomie financière, je suis le vrai patron de ces terres. Hop. Clac. Et voilà, construisez-moi tout ça s'il vous plaît. Pour la bibliothèque, eh ben, ça tombe bien, j'ai justement ce qu'il faut. Bibliothèque. Non, plutôt recherche éducation. Alors, vu que c'est un bâtiment qui a du style, je vais le mettre pas très loin du palais royal. Enfin, du palais présidentiel, pardon. Alors, je sais pas ce qu'on exporte, mais on exporte aussi au niveau bouffe. Je vais prendre des bananes parce que des fois que. Nous sommes les ombres qui dirigent le monde. C'est qui? Nous régnons en secret. Nous sommes le salut de l'humanité, nous sommes l'ordre. Et vous serez l'un d'entre nous. C'est un Illuminati. Ah, trop cool. J'ai surveillé attentivement votre carrière, gouverneur. Je sens un gros potentiel en vous, mais rejoindre l'or ne se fera pas comme ça. Vous devez faire vos preuves, gagner votre indépendance et vous le serez l'un des nôtres. Objectif, déclarer l'indépendance. Bon, ça tombe bien, c'est dans mes projets. Récompense, mission réussie. 50% de soutien populaire. Il faut augmenter la satisfaction des citoyens et prendre des mesures qui, avec plus de révolutionnaires sur l'île. Ok, c'est compris. Donc je disais que les bananes, ils m'interpellent sans frapper. Moi, j'aimerais un peu plus de respect, s'il vous plaît. Je prends des bananes parce que ça s'exporte. Voilà, et puis voilà, on s'en fiche, les gens, ils mangent. D'ailleurs, vous voyez, je n'ai que faire de leur ridicule tentative architecturale. Ils n'ont aucun goût, ces pauvres. Alors, ça c'est bon. Ok, bah ça pousse, hein, ça pousse, ça pousse. Le tabac, c'est réglé. La couronne continue à envoyer des sous, moi ça me va, moi je suis d'accord. Être capable de subvenir soi-même à ses propres besoins est une qualité que j'apprécie. L'autonomie devrait être l'objectif de tous les pays.
Ok, donc si j'ai 15 000 en compte en banque, ils m'envoient 12 révolutionnaires et donc qui vont sensiblement faire infléchir les votes en ma faveur, vu qu'on n'est que 68. Je suis preneur. Et j'accélère le temps. Ok, donc ça c'est fait. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Plus de tabac. Ok. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Clac, clac. Mission. Ah non, c'est pas le moment. Hein. Bon, aujourd'hui, les sous. Qu'est-ce qu'on pourrait. Ah. Je pourrais faire un autre doc, vous savez. Juste pour avoir une option de plus. Cool. Sa Majesté a fait appel aux plus grands architectes pour concevoir son palais sous-marin. Il nous faut plus d'argent pour les payer. Ok, exporter 3 500 de sucre. Je vais laisser les gens s'occuper du sucre tout seul. Voilà. Et on va laisser tout ça avancer, lentement mais sûrement. Je connais déjà Tropico 5 et j'ai choisi de vous le faire en campagne parce que il y a un petit peu plus de twist scénaristique et tout, et que le jeu, à mon avis, va subir des équilibrages dans les jours qui viennent. Donc j'ai pas envie de vous faire un sandbox, c'est pas intéressant, je peux autant m'éclater avec encore plus de variété sur la campagne. Donc c'est parti, comme vous voyez, pour l'instant, ça va être une île Être une agricole. colonie de la couronne. C'est comme une compétition, et une compétition que vous êtes en train de perdre, vieille branche. Les colonies de Puerto Coco et d'Isla Royo font bien mieux que vous. Ok, donc le gars c'est un racketteur professionnel. Cela dit, je vais payer 10 000 sur le trésor, quitte à me retrouver à découvert. Déjà parce qu'il y a forcément un mec qui va me filer de la thune juste pour améliorer les relations en début de partie. Et puis, 12 mois de prolongation, c'est pas du luxe. Je comprends que vous ayez encore quelques difficultés avec ces choses triviales comme l'argent. Je vais vous aider. Mais attention, je n'offre mon aide qu'une seule fois. Ok, donc voilà, j'avais tout prévu quoi. Exactement, que j'aime quand les plans se déroulent sans accroc. Ok, les bananes ça pousse, c'est Le parfait. fardeau du pouvoir altère notre perception de l'humanité. Pour nous, les gens ne sont qu'une ressource, qu'il convient de gérer correctement. 5 nouvelles maisons de campagne. Ok, pourquoi pas. Cela dit, ça m'intéresse pas du tout. C'est quoi une maison de campagne? Maison de campagne, ok, c'est des trucs pourris là. Allez, on va les mettre. Je voudrais faire une petite résidence pour agriculteurs. Petite zone résidentielle pour agriculteurs. Combien il m'a dit? Combien il veut en mettre? 5? Ok, j'en mets 2 ici. Et j'en mets 3 par là. Déjà qu'il y a un mec qui a fait sa maison, a priori il a vraiment envie d'habiter ici, donc c'est parfait. Et cinquième par ici. Voilà. Ça se construit, tout va bien pour le moment. Voyons voir au niveau commerce. Le tabac, ça va très bien se vendre. Les bananes, c'était une bonne idée aussi, hein. Coton. Putain, le café. Le cacao. 1800. Ça pousse bien le cacao. Ah ouais, carrément. Carrément, carrément. Vous savez quoi? Ouais. Je vais essayer. Bon, le tabac va rester dans ma liste. Je retire un navire. Je retourne chercher le cacao. Et je convertis tout ça, quitte à perdre un petit peu de temps. Maximum de fric, hein, obligé, hein.
C'est la loi du marché. En export, je me retrouve avec un bateau qui est réglé sur cacao à 1800. Avec ça, je devrais m'en sortir dans quelques temps. Pas tout de suite, mais dans quelques temps. Le sucre s'en va. J'aurais pu aller faire un petit nettoyage. Détruis-moi ça, s'il te plaît. Ouais. Alors au début... La trépidante vie amoureuse de votre famille est à l'origine d'une grossesse inattendue. Il va falloir que pour éviter que l'information s'ébruite, reconnaître l'enfant, moins 10 avec des royalistes, j'aime les scandales. Pourquoi pas. À la naissance de l'héritier, tous les animaux se turent. Une lumière brilla dans les cieux et le chupacabra vint s'incliner devant les nourrissons. En tout cas, c'est ce que l'on écrira dans les livres d'histoire. Voilà. Vous disposez d'un bonus de 1000 sur votre capital de départ, les points de recherche, les virements sur les comptes en Suisse augmentent tous 20%. On peut virer des sous. Ah ben non, c'est en plus. Allez, 1000. Bonus 1000, ça c'est le fiston. Ok, comme papa. Et puis voilà, vu que c'est un rebelle. Jésus, Fantasimo. C'est le fiston. Clac. Mon tropico à moi. D'accord. Balthazar, c'est toi le meilleur. Ah, le fiston est pas digne de régner, il est pas prêt. La couronne m'envoie des sous, mais que demande le peuple? Que demande le peuple? Alors, le cacao? Ça va? Viva el presidente! Ah, il est mignon. Il approuve. J'ai un nouveau boulot. Tropique emploi. Cool. Ok, 17 citoyens. Ça va faire beaucoup de sans-abri, hein. 32 sans-abri. C'est triste. Ah là là. C'est pas la principale préoccupation. Si je dois faire plaisir au peuple à un moment quelconque, par inadvertance, il faut que j'ai les moyens. Alors... Saviez-vous qu'il y a des trésors enterrés sur notre île ? Il faut mener l'enquête. Faut que je... Alors ça c'est les technologies. Pour l'instant les technologies l'appellent. Ah si je peux. Ah je peux parce que j'ai du monde à l'université. Ouais, non c'est la bibliothèque, pardon. Je vois que les maisons ont été construites. Mais malheureusement les îles de Puerto Coco et d'Isla Royo ont volé les directeurs que vous deviez accueillir. Ouais. Ok, ils ont alors proposé de grands manoirs pour qu'ils les rejoignent plutôt que vous. Ne vous inquiétez pas trop, vous finirez bien par les récupérer. Ok, 12 mois de mandat en plus. Vous voyez, ça défile extrêmement vite et je suis loin de faire l'approbation générale, comme vous le voyez. Très loin. Sa Majesté ! Être capable de subvenir. Très très loin. Alors, je devrais faire une petite zone... résidentiel pour pauvres. Voilà. Clac, clac, clac. Ça me coûtait cher pour rien, mais bon. Le mec, il veut construire des maisons de logements sociaux. Non, c'est trop cher. D'ailleurs, ils ont du style, ceux-là. Alors. Directeur. Ah, j'ai une autre route commerciale. J'aurais pu exporter quelques bananes en trop. Ah, c'est foutu les bananes, c'est mort. J'ai bien fait de prendre le cacao. 1951, le fer. Ça rapporte le fer aussi. C'est quoi ça? Ouh, un gisement de charbon que j'ai pas l'intention d'exporter. Grâce à vos efforts, les mouvements révolutionnaires deviennent plus forts. Alors là, l'hésitation totale entre les sous et les révolutionnaires. Une équipe de recherche composée de moi seul a découvert la pelle en 40 exemplaires. S'il y trouve celui qui les a mises là, il aura affaire à moi.
En attendant, je les ai confiés aux mineurs, ça peut servir. Ok. Je n'ai pas encore l'autonomie financière, mais je ne vais pas dire que ça serait tardé. Il faut vraiment que je fasse un doublon. Est-ce qu'il y a moyen de faire plus de tabac? Tabac, c'est pas mal. Hein. Allez. Parce que les cigares, ça rapporte. Hein. Si on en croit Fidel Castro, ça rapporte. Hop, tabac. En plus, j'ai déjà mon contrat. Pas grave hein, si je fais découvert. C'est pas terrible au niveau culture. C'est pas terrible. Ah bah écoute, hein, ça sera agricole et puis c'est tout. Hein. De toute façon, il faut prendre les sous là où ils sont. Après, si je veux, je veux détruire un champ pour faire une zone résidentielle, je le fais. Hein. Aucun souci. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Et encore une autre. Profite du découvert. Dans pas longtemps, je serai super riche. En tout cas, on va pas souffrir du chômage. Alors, niveau satisfaction. Général, religion, oula. Santé, oula. Divertissement, oula. Bon. Tabac, j'ajoute un navire. Ok, on a ces deux-là. Super. Niveau nourriture, ça va. Voilà. Moi, 8000, mais je m'inquiète pas. Avec ce qu'on va envoyer dans les cargos, je peux dire il va y avoir du cacao. 800 marchandises. Ouais, c'est pas énorme. Hein. Je vais mettre le paquet sur les bagnoles, les routiers, si vous voulez. Si vous voulez bien faire le max au niveau boulot, ça serait super sympa de votre part. Donc maintenant j'ai deux bateaux qui font les allers-retours et qui devraient me permettre de m'en sortir financièrement. Pour l'instant j'ai pas l'intention d'apporter. Merde, j'ai pas de recherche en cours. Amélioration de la ferme, bien sûr. Surtout. 3 ans, 6 mois. 13 citoyens. Alors là, je pense qu'il va falloir que j'investisse dans une église. Hein. Ça, c'est obligé. Enfin, une mission catholique, ne confondons pas. Mission catholique avec les pauvres. Et pas du tout là où il faut. J'annule. Non ! Chaque fois, je fais construction rapide au lieu d'annulation. C'est pas grave. Alors normalement ça n'aura une influence ça n'aura une influence que dans quelques mois. Satisfaction, religion, pour l'instant voilà. Hop. Eh bien écoutez les amis, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, hein, en voyant, voilà, vous voyez, les sous commencent à rentrer. J'aime aussi la construction rapide, c'est pour ça que j'aime bien être riche et pour pouvoir cliquer comme ça, comme un ouf. Excellente nouvelle! En fouillant les caisses de nos réserves coloniales, nous avons découvert la faucille. C'est incroyable à quel point elle s'accorde à merveille avec un marteau. Ok, et rendez-vous demain pour la suite, mon paradis, mon île. Voilà, bisous, c'était Fanta.